Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partir sur un circuit training avec 5 exercices, 1 minute 30 de travail, 30 secondes de récupération et on fera ça sur 3 cycles. Voilà. Je vous souhaite bon courage et c'est parti. 4 minutes d'abord pour l'échauffement. Fitness d'abord avec du footing. Relâchez les bras, les épaules. Embarquez les bras. Échauffez vos épaules. Allons dans l'autre sens. Ok, les bras sur les côtés. Un petit peu l'oiseau. On monte, on descend. La tête, dos droit. Plus petit mais plus rapide au niveau des bras. Allez, plus rapide. Lâchez-moi les bras et on part en petit moment de ciseaux avec les jambes. Poussez les pointes vers l'arrière. Tendez la jambe en arrière. On revient, petit footing, les appuis droite-gauche. Place, petit squat, hop là, sautiller et squat. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 2, 1, on va marcher, on va monter ses genoux l'un après l'autre, allez, il nous reste une 15 pour l'échauffement, allez, jambes écartées un petit peu, main sur la taille, main sur le genou, faire travailler la taille, voilà, ouverture, pivoter. Et on enchaîne les talons fesses. Et avec les bras. En arrière. Allez, pliez un petit peu les genoux, descendez, remontez. On revient au petit footing. Bras vers l'avant, poussez les coudes en arrière. Et bras vers le haut. Ok, marchez, enroulez. Et on est parti pour le début du travail. On va commencer par des petits squats. On est parti sur 1 minute 30 de squat. On descend gentiment lentement. Et on remonte lentement. Inspirez. Puis remontez. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1. Gardez un dos bien droit. Les pointes de pied vers l'extérieur. Allez, il reste une minute. Donc
là, on fait du renforcement musculaire soit des cuisses, exercice de force, un exercice cardio. Allez. On accélère un petit peu, deux temps, 1 et 2. 1, 2. Pour les 20 dernières secondes, on ira un petit peu plus vite. Descendez bien, genoux vers l'extérieur. Évitez d'avoir les genoux à l'intérieur. Allez, c'est parti, ça accélère. Moins de 10 secondes. Après, on va marcher, on va récupérer. 3, 2 et 1. Marcher. On récupère, on a 30 secondes devant nous. On ventile, on souffle bien. Détendez les jambes. Prochain exercice. Cardio. On va se mettre à courir. Montez le talon, les genoux. Et on va enchaîner. Faut que ça chauffe. Il nous reste 5 secondes. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Alors au début, 5 premières secondes. Tranquille. 3, 2, 1. Allez, remontez le genou devant. Le dos bien droit. N'allons pas trop en arrière. Pas top. On va mettre le genou. Les épaules vers l'avant. Allez, on peut s'aider avec les bras. On tient encore. 5, 4, 3, 2. On garde le footing, il nous reste une minute. Et on va en avant. C'est parti, derrière. Allez. Bougez les bras. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Au petit footing, on prend 5 secondes et réduit ici. Et on accélère. Montez le genou, puis talon fait. C'est parti, maintenant. Et on accélère. En fait, c'est parti. Et accélère. Il reste 7 secondes. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on marche. On récupère. Deuxième exercice sur les cuisses. Le prochain, les fentes avant. Avant, pied, les deux pointes de pied vers l'avant, un dos bien droit, flexion des deux genoux, préparation, 3, 2, 1, c'est parti, vous changez, il y a l'équilibre avec les bras, le bras opposé à son genou, donc ici c'est alterné, hein. Gauche, gauche, droite. Pour les 30 premières secondes. Allez, on va laisser une jambe vers l'avant et on fait des petits. C'est parti. On stabilise. On a bien les deux pointes de pied vers l'avant. 5, 4, 3, 2. Changez la jambe. C'est parti, équilibre. Encore, encore, encore. 3, 2, 1. Marchez. Et là, attention, sur les 21 secondes, on vient alterner avec le ciseau et le saut. C'est parti. On sautille. Hop, hop. Le changement de jambe se fait lorsque vous sautez. Il reste 10 secondes. Encore un. Et on revient à la marche. Ok. Sur l'exercice suivant, on va avoir besoin du tapis.
gainage. Attention, c'est dans 10 secondes. Un gainage. Alors, une minute. Genoux et les pointes de pied. On est parti. D'abord sur les genoux. Ok, impeccable. Allez, on va essayer de tenir comme ça toutes les 15-20 secondes. Allez, attention, c'est parti. On est sur les pointes. Talons vers l'intérieur, contractez les fessiers, rentrez le ventre. On s'est bien soufflé. Attention au dos, hein. Si vous creusez, c'est pas bon. Tout en l'air, il n'y a pas de bénéfice. Voilà, équilibrez bien. Vous allez sentir que ce sera le dos qui travaille et les abdominaux. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Allez, les genoux au sol. On maintient. On est déjà à 45 secondes. Hein. Attention, 3, 2, 1. Allez, les pointes. Si on peut tenir jusqu'au bout comme ça sans bouger, c'est au top. Ça se tient, ça se maintient. Moins de 30 secondes. Difficulté, on tient encore. Allez, il nous reste 15 secondes. Le plus dur est fait. On va entendre, attention. 4, 3, 2, 1. C'est ok. L'exercice suivant, c'est les abdos. Et évidemment, ce sont des exercices qui se suivent qui ne sont pas du cardio. Mais ça dure. On les travaille vite, ça tombe pas. On est prêt. Les pieds au sol, le fessier au bord du tapis. Allez, on commence gentiment. C'est parti. Allez, et à l'eau. Bon, ça souffle. Allez, montez vos épaules. Les petits, ici, les épaules ne touchent plus le sol. Vers le haut toujours. On réduit, tout petit, main sur les genoux. Hop, hop. Allez, on voit la difficulté. Allons chercher les chevilles. Décoller les pieds. Toucher les chevilles, descendez, remontez. À 10 degrés le genou. Allez, plus petit. On a réduit encore les épaules hein, vers le haut. Lisez le plafond. Il nous reste 25 secondes. Tout petit, tout petit, tout petit. Allez, placez les pieds au sol. Remontez vos épaules. Plus haut, plus loin. Toujours. Hein. On est avec la partie haute du corps. Allez, 5, 4, 3, 2, et ici, c'est le moment de voir un coup. On est sur 1 minute 30. On prend son temps, c'est temps de récupération, buvez un petit coup. Moi, je vais simplement m'essuyer. Il reste 1 minute 10. Hop. Donc on a fait un cycle. On va partir sur un deuxième cycle identique. Il y en a 3 au total. Allez, 45 secondes. On détend les jambes. On va commencer par les squats. Et on va essayer de rajouter des petites options. Comme des sauts par hasard, par exemple, par hasard, par exemple, comme vous voulez. Alors, allez, on respecte bien le temps de récup, comme ça on repart à 9. Allez,
glisser, on en est prêt. Position, pointe de pied vers l'extérieur, flexion. On commence gentiment, mais directement avec deux temps. On va aller déjà un peu plus vite. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Inspirez, soufflez. Allez, on est reparti pour 5 exercices. Allez, on va se rajouter des petits mouvements en bas. Allez, encore 8 secondes comme ça. On va rester en chaise 3 secondes et on rajoutera un petit saut. Attention, la chaise. Voilà, 3, 2, 1, hop, le saut. On amortit, 3, 2, 1, en l'air, sautez. 3, 2, 1. 1, en l'air, 3, 2, 1, 3, 2, 1, encore, il reste 30 secondes, hop, allez, on tient jusqu'au bout, 2 et 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, pas besoin de sauter, super beau, hein. On amortit bien, on descend sur ses genoux, hop, allez, 12 secondes, 3, 2, 1, allez, le dernier, 3, 2, 1, et le saut. Parfait, on récupère, on souffle, nous avons 30 secondes. On partira sur des jumping jacks. Ça, c'est assez cardio aussi, ça. Secondes, alors on commence gentiment en faisant des pas chassés. C'est parti, puis on rajoute les bras. Voilà. Donc, s'il y a de la difficulté, hein, vous restez à ce niveau-là. C'est le niveau basique. Pour les autres, on va rajouter des petits sauts de temps. Attention, 3, 2 et 1. Ici, allez, hop, hop. De temps, 1 et 2, 1 et 2. On va dire que c'est une petite récupération. Et pendant les 45 dernières secondes, on va accélérer. Are you ready? C'est parti. On s'est bien soufflé. Donc il y avait niveau 1, niveau 2, niveau 3, on est niveau 3. Ici, 30 secondes. Secondes. Allez, ça se maintient. Et on tient. 10 secondes. Attention, 5. 4, 3, 2, rien, marchez, soufflez. Ça a bugué. Main dessus, récupérez. Allez, 30 secondes de récupération. On repart sur les 30. On repart comme au début, jambes alternées. Et après, on va fatiguer un peu plus un côté, puis après l'autre. On part dans 10 secondes. On ventile, on souffle. Allez, position. Le bon début. Tac. Allez, on va rajouter rien du tout, on va juste ramener la jambe. On reste ici. Hop, et petit saut. Allez, fatiguons.
encore 5 secondes. Allez, à l'autre côté. Hein. Marchez d'abord, changez. Je l'ai dit, 1, 2, c'est bon, c'est parti. Allez, on fatigue, les flexions correctes, genoux vers l'avant. Ok, marchons, et on repart comme au début, jambes alternées. Et pour les 10 dernières secondes, on va ajouter le saut. Ici. Et marchez. 30 dernières secondes. On récupère ici. On repart sur un beau gainage. On a 15 secondes. Options aussi sur le gainage, attention. On commence sur les genoux, avant-bras. Exercice. Ok. Récupération. Descendez bien le bassin. Allez, 5 secondes. Là, on va faire des petits combats avec les bras. On doit pousser et redescendre. Voilà, force des bras. Portez bien les coudes à l'intérieur du tapis. Allez, encore 5 secondes avant de partir sur l'autre côté. Mais pour l'autre côté d'abord, le gainage. Hop, sur les pointes. Allez, allez. Un vrai gainage sur les pointes levées. C'est le fessier. Attention, 3, 2, 1, les genoux au sol, repoussez avec l'autre bras pour commencer. Hop. Allez, les gars, nous n'avons pas commencé tout à l'heure. Allez, 10 secondes. Ok, nous avons 30 secondes devant nous pour nous préparer à la séance des abdominaux. On va tenir le haut du corps, on va travailler avec le bas du corps. Allez, 12 secondes. Allez, deux mains derrière la tête. La tête et les épaules décollées, une jambe tendue. Et on va partir en faisant des mouvements de battement. Voilà. Décollez la tête et les épaules. Allez, on change de côté. Allez, déjà les cuisses sont dans le même. Hein. On les sent bien, bien chaudes. Attention, 3, 2 et 1. Allez, on vient alterner. On plie légèrement le genou, mais on engage surtout les hanches. C'est pas les genoux, hein. C'est sur toute la jambe. Si on a mal au dos, descendez pas trop les jambes. Travaillez plutôt vers le haut. Si on peut descendre, tant mieux. Vous engagez plus de hanches, plus de travail au niveau des abdominaux. Allez, ici on va ramener les deux genoux, on pousse et on revient. Il nous reste 27 secondes. Encore. Encore. On peut le faire. 8. 5. 4, 3, 2 et 1. On profite. 1 minute 30 de récupération avant le dernier cycle.
C'est l'occasion de voir un petit coup. Allez, on a 45 secondes. Allez, le tour pour le tour, ça va être très dur. Et on s'accroche. Hein. Sachez que dans 10 minutes, tout est terminé. Allez, 22 secondes. Quand il est soufflé, commencez déjà à vous rapprocher. 15 secondes. On commence par des squats. Alors on va commencer directement par une chaise. 30 secondes de chaise. En position, pointe de pied vers l'extérieur. Préparez à descendre. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On descend et on a 30 secondes à tenir. Et après on bosse. Allez, on descend bien, on est en position correcte. Allez, 8 secondes. Attention, pour repartir, là, on a simplement gardé les pointes de pied au sol, décoller les talons, 3, 2, 1, et c'est parti, tac. On fait descendre les jambes, tac. Je tends mes jambes, je tends mes bras sur les côtés, paf. Voilà une chanson bien virile pour nous représenter, nous les hommes. Allez, petit saut. Ça chauffe. Et on finira sur des petits squats. Ici, petit, petit. Et on descend et on remonte. Cinq, quatre, trois, deux, et un. Redressez, montez. Marchez, soufflez. 30 secondes de récupération. Il nous faut quelque chose de cardio. Alors on va taper au sol. Courir, taper fort avec le pied. Attention, c'est parti, footing. Allez, c'est parti, ça accélère un petit peu. Ceux qui peuvent taper plus vite et plus fort, tant mieux. Les voisines, enfin. 3, 2, 1, on récupère. Je peux pas taper trop fort, il y a la voisine. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On tape, on tape, on tape. On accélère. Sortez bien le fessier, le dos est droit. On tient encore. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 15 secondes. On va le voir. Allez, juste le footing pour récupérer. Voilà. On revient à la marche, c'est plutôt cool. Hein. 30 secondes de récupération. On repartira pas sur des fentes, mais un travail de fessier et d'équilibre à la fois. Jambes sur le côté, on va devoir partir, équilibrer. D'abord encore 10 secondes.
Allez, pied sur le côté. Allez, de l'équilibre. Si possible, ne pas toucher le sol, comme ça on travaille l'équilibre. Allez, on n'est pas sur le côté, hein. Ni sur l'arrière, on est sur le coude derrière. Voilà. Allez, poussez. On a réduit encore plus petit, plus petit. Encore, encore. Allez, pour ce difficile, on va partir sur les 45 secondes. Donc là, il nous reste encore un peu plus de 10 secondes avant de changer de côté. La fesse, elle est contractée. 3, 2, 1. Parfait. Et l'autre côté, qui attend. 40 secondes. Allez, le mouvement est complet. Contractez les fessiers. Déjà pensé à l'exercice suivant sur un gainage. On fera des latéraux. Allez, vite, il nous reste 12 secondes. Hop. Allez, tout petit, tout petit. Pour finir. 2 et 1. Ok. On est dans le fessier. On remet son tapis au sol. Allez, 8 secondes, on se met sur le ventre. Allez, on commence lentement. Allez, on a les deux genoux bien serrés, on est sur les avant-bras d'abord. Hein. Allez, on tient comme ça 10 secondes. Allez, c'est parti. On vient ouvrir s'il y a besoin, on écarte les genoux pour la stabilité. Et 3, 2, 1, et le côté. 3. 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Montez le bassin, c'est pas le bel bras, hein. Faut pivoter, hein. Le bassin. Hop. Allez, pour les 40 dernières secondes ici, hop. On se met sur les genoux, on les serre les deux genoux et on descend notre bassin. Allez, genoux pliés à 40 degrés. Et pour les 20 dernières secondes, on mettra des pointes de pied au sol. Ici, les pointes de pied au sol, les deux bassins et on pivote. Voilà, replacez les pieds si besoin. Ne bougez pas la tête, ne bougez plus les épaules. Juste le bassin. 5 secondes. Parfait. Les abdominaux. Et là, on va combiner un exercice haut du corps avec un exercice après, suivi d'un exercice bas du corps. On arrive bientôt sur la fin. Allez. Le plus dur est fait, les abdos, on adore ça. Alors, si ce n'est que du plaisir. Allez, c'est parti. Allez, on remonte gentiment les mains au-dessus. Touchez les genoux, décollez vos épaules. Touchez, montez. Soufflez à la montée de vos épaules. C'est bien, on réduit un petit peu. Les épaules ne touchent plus le sol. On réduit un petit peu son air pour bien contacter les abdos. Allez, on reste en l'air. Placez les mains derrière la tête et on pousse les deux jambes. Allez, 15 secondes. Allez, gardez deux genoux fléchés comme un degré, les mains sur les chevilles. Touchez les chevilles, descendez, remontez. Et on peut accélérer un petit peu.
Allez, encore 10 secondes. Et on va alterner haut et bas. Hop, je pousse, je reviens, je ramène. Je pousse, je ramène. Hop, les jambes, hop, chevilles. Jambes, mains, chevilles. Exercice terminé. Parfait. Ok, allez, pour le dos là, les abdos, tout ça, on va se mettre à genoux. On s'est déjà soufflé. Fais gaffe aussi quand ça s'arrête. Allez, joue. Gardons les talons, les fessiers sur les talons, les bras vers l'avant. On monte, on souffle bien et on allonge les bras vers l'avant, le fessier sur les talons. On part sur le côté. La paume vers le plafond, la tête qui pose sur les épaules, la tête sur l'épaule, plongez vers le droit. Gardez le fessier sur les talons. La même chose de l'autre côté. La paume vers le plafond. Sur le fessier, on va étirer le quadri avec un talon fesse, les épaules un peu en arrière. Il nous reste quelque chose. C'est parti. Allez, l'autre côté. Bonne semaine, bon courage, en espérant de vous revoir bientôt. Bisous à tous.